Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Nous qui va le pouvoir en 2022, la police. Nous qui va le pouvoir en 2027, la police. Son travail qui a duré 25 à 30 ans, en nous faisant, pour ne pas toujours dépenser le même problème, répéter le même problème, à toute une série de monde riche, tout grand, mais surtout qu'on est là. L'État a fait un travail qui est de longue durée. C'est dans le cas de ça, et n'a pas travaillé ça. Et longtemps, nous ne faisons pas de ni de poule. Ou presque dépenser la même quantité de problèmes. Et puis, dans 6 mois, on va travailler encore constamment à peine. Mais travail ça le là, là, bien 25 à 30 ans, depuis que vous pas chita tout le monde à pour les caoutchoucs, depuis que vous pas chita l'autre entreprise, vous avez continué par Dissel et Natcom, puis vous avez grâce pour passer le film, et bien 25 ans, on va bien intervenir encore. Voilà que
population va nous aider, va nous dire qui cher à nous. Donc pour ça, nous allons tomber à pied. Mais malheureusement, dernièrement, il y a un bail qui passe dans le monde. On calcule que nous faisons travail ça, mais il y a d'autres travail qui va m'attirer. Tel que, on va jeter Padra, jeter la main de l'eau, les eaux pleines. Il y a une pleine de l'eau, il est déversé sous chaussée. Hors chaussée, c'est béton, un béton bitumineux de lieu, c'est-à-dire c'est un asphalte. Il va marcher à nous. Donc, malheureusement, comme moi dis nous, durée de vie pour nous travailler, hein, c'est pas ça. Pour l'autre bagarre encore qui passe dans le temps. Dans le temps, je vais vous mettre des traces, des boîtes qui étaient en plastique pour nous te jeter papa. Mais tout le monde, ça a vu des poubelles. Les poubelles ça vous venez détruit parce que vous n'avez pas même malheureusement utilisé. Les poubelles qui étaient en plastique là, ils étaient en alibi pour bouler. Au lieu que à bouler, caoutchouc. Ils étaient bon pour donc tout poubelle ça est perdu. Donc, ils ont vu changer les poubelles, ils ont fait des poubelles métalliques. Poubelle métallique là, moi-même c'est pareil, je constate. Je suis qui vient avec Padra. C'est comme une date où Padra n'a pas fait pour aller dans la poubelle là. C'est à côté de la poubelle là. L'eau jeté là pour côté poubelle là, la pluie tombée, il faut de l'eau, moi à côté Padra, Padra tombé dans la poubelle. Or, quel que soit bouquet, quel que soit l'église, vous ne pouvez jamais joindre l'eau du feu, mais nous là, dimensionnel. Pourtant, dans le Padra. Jamais. Mais on l'a dimensionné pour quantité de l'eau qui a passé dans la zone. Vous comprenez? C'est ça nous est le bassin de l'eau. Vous comprenez? Donc malheureusement, on a dit ça tout à l'heure, les populations, quand ils ont l'autre culture, une culture côté que pour ils connaissent que maintenant là, c'est pour l'eau le fait. Les gars, c'est une embuscade qui est préparée pour nous. Parce que nous avons bloqué 3 minutes depuis nous descendons de machine. Et puis, c'est le rivet bon et net. C'est un petit bon qui descend. Rivet bon et net. Nous 3 minutes, nous avons même 2 minutes. Et puis, on boule les machines. Mais nous sommes toujours venus dans 4 quadrilatères de A pour nous déboucler. On prend tout en primaire, on connaît toujours pour en primaire. Nous avons 4 3. Nous ne connaissons pas pour les machines, nous louer. Quadrilatère 3, la prend. Tronçon, rue Joseph Janvier. Dans rue Monsergue, la prend. Rue Joseph Janvier, rivé aux Alpes-du-Rhin. Il apprend toujours rue Joseph Janvier en passant par rue de la Réunion pour nous arriver dans rue aux Alpes-du-Rhin. Toujours Quadrilatère 3, toujours la prend. Rue Paris-Antère, tronçon orientement à privé directement dans rue de Roux. L'autre part encore, on n'a pas demandé si on va pour nous, l'autre machine pour nous encore, parce que nous avons une ville grise pour nous faire. Nous avons une ville à pour nous faire en béton hydraulique qui a pris un tronçon entre ville grise et ville à l'aide. Nous avons une ville pour encore, nous déjà à travailler là-dedans. Nous avons 400 mètres linéaires de béton hydraulique pour nous faire. Qui déjà commencé déjà. Peut-être chaque côté nous passer, on va pour nous machine. Nous demandons chaque côté nous passer. Travaux publics à travail et pour la population à travail et que la population aide les gens et aide capable de faire parce que premièrement c'est un plan après, deuxièmement c'est assigné, n'a pas assigné, troisièmement c'est réhabilité, n'a pas réhabilité et depuis c'est pas celle dans le pays étranger pour belle route, belle bagaille. Ça nous gagne, si ça nous gagne, nous avons géré, nous avons compris l'autre et puis nous vivons ensemble. Parce que chaque fois que c'est le dernier, il est venu de l'autre. Et vice-versa. Et nous, là, il y a la réhabilitation des compagnies là. Et des radios.
l'autre nouvelle, responsable de la délégation départementale NIP annoncé qu'il y a plusieurs matériels électriques qui arrivaient dans la commune en Savo. Parmi les matériels, il y a un poteau électrique à génératrice qui va permettre trois communes dans le département alimenté à courant électrique. D'après délégué départemental NIP, Morel Espérance Bérard, c'est grâce à ressources communautaires, travail, ça y est, vive fait. Il promet responsable à déployer tout effort pour sécuriser matériel, ça y est. On suit. Comment ça va servir trois villes? L'a servi Miragouane, Payan avec Petite Rivière de NIP. C'est réseau ça qui va servir trois communes, ça y est, très bientôt parce que techniciens là sous place là, il y a travail, il y a planté poteau, c'est réseau là n'a préparé là et puis pour que les génératrices ça y est, qu'on entre en marche pour que alimenter trois communes ça y est, que nous sommes cité là. Travail ça, son travail que moi planifié ensemble avec directeur APN non, qui c'est Réginal Jean-François, côté que nous pas le montrer pays à que nous-mêmes qui ça que nous capable faire avec propres ressources communauté à ressources APN qui c'est pour moun Miragouane que lié, nous voulons mettre au service de Miragouane. Nous voulons faire tout ça qui est possible nous, pour nous permettre que le matériel soit sécurisé avec la finance, APN, la douane et l'autre secteur encore qui gagne dans le département NIP, donc pour santé publique et autres, que nous avons mobilisé pour nous venir l'argent pour nous rendre l'espace ça sécurisé. Sévère, visiter l'association Solidarité Haïtienne pour le développement rural Keskof Soaderg dans la 3e récolte Kilti Poivron sous ces Keskof-là. Association a terriblement bénéficié de ça grâce à projet promotion pour production sous ces pour le Kilti protégé. Pendant la récolte-là, président de l'association t'es profité exprimer satisfaction au gouvernement pour le programme ça et lui souhaiter jouer notre sein pour permettre planter capable de travailler plus. Parce que c'est ça, ça nous fait là, on passe plus devant après quoi nous comptons environ 900 à 1 million de gouttes. D'accord, dans l'espace ça. Et l'espace ça, c'est une des premières récoltes, c'était poivron coloré. Avec comme ça, c'est avant de commencer à aménager tout le système là. Parce que là, nous sommes environ. Nous sommes environ là sous 6 hectares. Je veux dire, nous sommes 12 hectares. C'est-à-dire, nous fermons le terrain, nous achetons le terrain. C'est-à-dire, grâce à la profit que nous faisons dans celle-là, nous investissons dans le même système. Nous allons faire pisciculture là. Nous allons faire élevage pour les deux chers. Nous allons faire de notre bassin piscicole là. Nous allons gagner aquaponie. Et nous avons terrain devant que nous achetons. Pour installer l'autre terre. C'est-à-dire, ça, il peut acheter une toutes conditions économiques association, hein, il va augmenter assiette économique. Kilti sous CA permet planter de contrôler changement climatique et puis résister à saison la pluie qui donc planter yo capable de travailler et puis river prolonger si besoin Kilti ak récolte fruit ak légumes. Pour capable exploiter potentiel génétique on plante c'est utilisation technologie ça. Ça qui permet d'augmenter et rendement ou multiplier rendement par 10, parfois capable de juste par 15. En premier lieu, je travaille en plein champ. Mais le venu trouver mon dans ces armes est nettement différent. L'expérience que je fais, c'est les gens qui ont toujours dit, nous sommes capables de travailler, nous avons des carottes de yon, mais le travail là, nous rentrons plus. Cette expérience est en dans là. Ce n'est pas sorti de yon encore, c'est de travail. Ça, c'est côté planteur avec acheteur là, avec toute commercialisation qu'on connaît ensemble. Donc, depuis que nous avons fait café, ça fait 3 ans que nous venons tomber sur affaire ça. Moi, encourager tout entrepreneur en Haïti, faire j'en ai café, mais j'en ai café pour 3 ans. Donc, sous seulement 1000 mètres carrés, sous bien 2 carottes, vous faites café, d'ailleurs, Jean-Yves m'a dit, en dedans, au café, on sert en plus. Pour tant de café à donner, il doit avoir un cop vite en attendant que le café à donner. Production sous serre capable de gros dans affaires agriculture PIA, mais facilité cultivatrice à cultivateur contrôler conditions climatiques là. Dans le cadre programme promotion ça, le ministère de l'Agriculture déjà remet ses plusieurs associations dans PIA. Pendant visite ça, ministre
ministre agriculture Patrick Sévère exprimer satisfaction sous qualité production à entretien planté au fait sous CA. Administration Moïse Da, à travers le ministère de l'Agriculture, a essayé de mettre en place pour nous augmenter la capacité de la manger dans le pays d'Haïti. Nous connaissons ça. Et c'est un modèle qui nous a recapitulé. C'est une région de l'Ewa, ou après terre ou pas de travail. Ça veut dire que c'est l'espace qui n'a pas de gâcher là, il n'a même pas de gâcher, tout le monde a de gâcher. Mais nous, c'est différent. Nous, et des poivrons assez en bonne santé, gounèg, récolte ça. Et je pense que si on a récolté poivron là, je dis, je pense que nous avons récolté plus que 30 caisses. Et poivron, pour après ça, ça représente comme économie. Et poivron pas fait plus, c'est le monde qui fait. Il crée job tout pour Mamio. Pour Mamio, qui fait que nous avons dit, et encore une fois, soit avec merci, qu'est-ce qu'il valorise ce là. C'est vrai, c'est rapporté, mais pour le rapporter, il faut travailler. Mais cela promet pour continuer à encourager à faire promotion pour qu'il t'y souce, qui c'est un facteur qui est capable de permettre production nationale là augmenter. Projet Levé Café a exécuté dans la commune Baptiste, commune Chot et commune Dondon. C'est un projet qui visait renforcer filière café et cacao, lui offrir un pile avantage à producteurs, d'après coordonnateur projet A, Maxo Duclona. Nous combattons le problème environnement et sécurité, problème et sécurité alimentaire. Nous disons projet levé café, mais nous portion cacao là-dedans. Parce que le titre là c'est levé café, mais nous voulons dire que nous portion quantité cacao là-dedans. C'est comme ça le projet a. Il prend le travail sur 2000 hectares pour café et 500 hectares pour cacao. À des formations techniques pour producteurs de café, pour extensionnistes, pour techniciens. Le projet ça a duré 5 années, il joint le financement à l'Agence française de développement pour un valeur 15 millions d'euros. Et ça, d'après l'ambassadeur français en Haïti, José Gomez, a permis aux agriculteurs de joindre moyens pour répondre à critères d'exploitation à grande échelle. Nous ne sommes pas résignés, la coopération française veut participer à la relance de ces secteurs qui sont ceux du café et du cacao. Il faut le faire parce que l'agriculture ici représente une partie très importante de la main-d'œuvre en Haïti. Et c'est la principale pourvoyeuse de travail pour les Haïtiens. Donc il faut relancer ces secteurs, d'autant que ces secteurs peuvent rapporter à Haïti beaucoup des devises dont elle a besoin. Ce sont des cultures qui peuvent rapporter de l'argent. Pour le ministre de l'Agriculture, Patrick Sévère, lever café, c'est une opportunité en plus. Le ministère de l'Agriculture offre différents agents dans le secteur. Ce système agroforestier constitue une stratégie permettant aux producteurs de diversifier leurs sources de revenus, de garantir une certaine disponibilité alimentaire au niveau des exploitations agricoles. Il joue aussi un rôle capital en matière de gestion conservatoire de l'eau et des sols et du maintien de la fertilité. Projet Levé Café allait dans le même sens avec le projet Planté Avenir, Première Dame République Martine Moïse, lancé dans divers coins dans le pays. Première Dame dit qu'il croit dans la valorisation du secteur agricole comme un gros moyen pour le développement économique du pays. Ça te fait plaisir en pile. L'aime apprendre que dans le projet Levé Café, il y a 30% de femmes qui peuvent bénéficier de la donne. Levé Café, bail femmes de place et surtout, respecter quota 30%, j'aime ma loi pays à Mandel. Nous connaissons qui j'ai la vie familiale difficile. Donc, projet ça, pour aider à résoudre une série de problèmes qui a confronté. Depuis que nous mettons maintenant projet ça, café a pour lever dans tout petit coin dans la commune Baptiste. Avant longtemps, nous avons pour nous sentir vos changements souffler dans la communauté ça. Dans l'occasion du lancement projet Levé Café, jeudi 8 avril, là, participants ont profité de planter une vallée 1500 pieds café à 1000 pieds cacao dans la commune Baptiste. Construction centre culturel Mano Chalmaïlan a démarré le 28 janvier 2020. 14 mois après, projet ça sur route pour inaugurer. Président conseil communal Kafoua Jules Edouard Pierre fait qu'on a une difficulté pour joindre l'argent pour finir le travail de construction
et puis acheter matériel pour équiper centre-là, cap gen la dan yon bibliothèque cap pote dans yon petite commune là ak plusieurs autres espaces. Moi recentrer sur mon carrefour, moi vinn mande communauté carrefour là intellectuel universitaire carrefour yo professeur l'école directeur l'école yo élève yo et entrepreneur carrefour moi dire que centre-là fin besoin inaugurer pour porter contribution et ça fait nous décider eh bien pour nous lancer trois journées de bibliothon et de levée de fonds pour nous équiper ici là pour nous payer le boss londoyo pour le 17 mai eh bien lors de la célébration du bicolore à Carrefour. C'est plus gros événement à Carrefour, c'est 17 mai, donc on a profité de ça pour nous faire l'inauguration. Julie Loi-Pierre dit qu'il est important pile pour l'État central et collectivité au plus moyen pour capable réaliser l'autre projet comme ça dans la commune. Il n'y a pas qu'à faire 27 000 gouttes de recettes, donc on va prendre des pour faire projet comme ça. Par contre, on met une répartition du budget de l'État, c'est qu'à aider les mairies à faire mieux, les femmes. Mais il n'y a pas qu'en fonction des richesses qui sont dans la commune, comme si l'autre monde notre magistrat, il n'y a pas de possibilité que comme ça de vous penser qu'il n'y a pas de valeur. Et c'est l'État qui a choisi une mission de péréquation, assurer que mes lieux ont capacité pour aider, pour bailler pour le service. C'est avec un pile fierté commune pour aller recevoir sans ça, d'après ancien député Jacques Beauville, qui félicite l'autorité communale pour construction sans ça. Cap inauguré dans l'occasion de 108 l'année existence ville Kafou. Et nous profiter de lancer un appel aux citoyens de la ville pour qu'ils accompagnent les maires. Cotisation paille pour permettre au centre culturel Emmanuel Chalmaï prendre vitesse de croisière. Et après 208 l'année, une commune pour Kafou, une commune culturelle, bastion intellectuelle du département de l'Ouest, et puis je ne vous dis pas, c'est après 208 l'année, nous avons construit le centre culturel. Comme c'est un bienfait, il va y avoir tout à plusieurs élèves, lycée Henri Christophe qui t'a visité Saint-Lan, déclaré espace après l'itil jeune écolier et universitaire commune. Ils ont félicité et puis encouragé tout le monde qui pote coller pour travailler au rivé dans Boutio. Il y a un pile de bagailles qui ont été surtout pour la bibliothèque là. Et puis il y a un paquet de bagailles qui ont été particulières là pour les jeunes. La salle ça, côté que vous avez une conférence là, vous avez un théâtre normalement, les salles de Piram, parce que nous ne jeunes ça du tout. Donc je ne veux dire, si Mérica pour qu'elle décide de faire ça pour nous, nous sommes plus de bagailles. Parce qu'elle a vraiment rapporté les jeunes, surtout dans la partie culturelle là. Projet construction centre culturel Mano Chalmaïlan coûté environ 70 millions de gouttes. Côté majorité l'agence soutient la cop taxe moun ka fou payé ak quelques autres notables qui bail participation pa yo d'après président conseil communal Kafoua Jude Doua Pierre montrer satisfaction li pour réalisation centre culturel là yon centre ka prend vivant mémoire pile moun qui t'est servi commune Kafou en particulier Manou Chalmaï qui fête na commune ça dans l'année 1948 et qui mourit 10 décembre 2017. Président commission communale Kafoua, Jude Edouard Pierre, prend un arrêté communal qui rend obligatoire installation caméra surveillance dans institution publique ou privée dans commune. Jude Edouard Pierre rencontré et puis discuté vendredi 9 avril 2021 avec commissaire police Kafoua et puis notable dans commune sous situation sécurité commune Kafou. Puis loin, président commission communale Kafoua a fait connaître décision ça pour faciliter autorité policière résoudre problème insécurité à la commune. Ensuite, le phénomène insécurité a frappé Carrefour dans le fondement même et que la mairie par carité est différente sans qu'elle ne réagit. Plusieurs cas de kidnapping, dont le plus spectaculaire a été celui enregistré le 1er avril dernier à l'église adventiste Galahad, Dikini. Nous, qui moi, ça a provoqué, sous base ça, le ensemble de mesures nous prend. Tant qu'augmenter le nombre d'antennes de police Kafou, il y a un niveau sur Kafou Mayani, il y a un niveau sur Fatamara 43, et il y a un niveau entre Bisoton et Fatamara. Nous avons sous-commissariat, nous construit dans la rivière froide que nous allons mettre à la police la semaine prochaine pour équiper. Nous gagnons une antenne Mariani que nous allons équiper et pour nous assurer qu'il y ait plus de policiers, plus de présence policière. Nous gagnons une brigade anti-kidnapping motorisée qui va mettre en place, qui a pu renforcer la présence de la police sur ce territoire-là. Mais au-delà de ça, nous pensons que le problème effectif de la police là, posé avec un pile d'acuité au point que
nous dit que une solution à problème ça c'est qu'à par exemple rendre obligatoire installation caméra de surveillance dans tout service l'état au Carrefour dans organisme dans entreprise privée par exemple mais Carrefour pas avoir une caméra ou pas avoir commissariat de police pas une caméra ou pas gagner on t'a dit prison civile Carrefour pas une caméra ou pas gagner tribunal pas une caméra ou pas gagner DGI ou pas gagner on a université donc nous on est obligatoire à travers arrêter ça et nous demander que justement la police jeune plus moyen pendant que n'a continuer aider tout bah au moyen c'est la démarche ça nous inscrit nous aujourd'hui à ça fait nous pour arrêter communal qui rend obligatoire installation caméra surveillance dans entreprise privée dans service l'état dans Carrefour pour faciliter travail la police là et montrer à la communauté nationale là au monde entier que constitution fait de mairie de magistrat premier responsable sécurité publique sur territoire là. Ça fait longtemps n'a goumen pour dire une police communale dans le pays. Mais pas jamais fait. Ça fait longtemps nous besoin que l'État rende mairie forte pour aider que l'État bail plus service. Mais ça n'a jamais été la priorité. Je dis à n'a pas un exemple dans Carrefour pour nous si ça si le marché tu qu'à répliquer l'autre côté. Parce que nous, tous les magistrats, nous avons une responsabilité de la sécurité. Parce que les magistrats sont déjà là, les gens sont là, nous avons aidé à combattre l'insécurité. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes haïtiens. On a parlé de tous ces nouvelles, monsieur, ça n'est pas réalisé dans son siècle. Pour nous avons monté l'armée. J'en faut filer dans le temps blanc, il semble pas avoir même si monté l'armée, le général dans cette l'armée. Pour nous avons un système esclavagiste côté. Blanc français pas de ouais mon noir. Vous devez nous comprendre ces bêtes que nous t'ayons, t'es qu'avant nous dans le marché, même j'ai un cochon cabri. Il y a des gens qui brillent, ou pas qu'à briller bagage ça. J'ai faufilé, on a mis en blanc, monsieur montré le plus fort que blanc. Monsieur calé blanc dans le propre jouet. C'est pour ça que doctrine diplomatique, nous, notre premier diplomate, le premier de nos diplomates, c'est tout l'ouverture. Monsieur qui ton doctrine diplomatique qui cita sur trois principes. Premier principe, la défense de la liberté et de la dignité humaine à travers le monde. C'est le premier principe doctrine diplomatique pays d'Haïti, que le premier diplomate haïtien, Toussaint Louverture, qui était pour nous. Deuxième principe que Toussaint Louverture qui était pour nous en matière de doctrine diplomatique, c'est la défense de nos intérêts nationaux. La défense de nos intérêts nationaux. Si on est qui te comprendre que Haïti pas des amis, Haïti a des intérêts, c'est notre premier diplomate, c'est ça qui était pour nous comme héritage. Haïti n'a pas d'amis, Haïti a des intérêts. Rôle nous, c'est pour nous défendre l'intérêt nous. Toussaint Louverture dit, l'intérêt national, c'est la libération générale des esclaves. Les gens B, ils ont français pas cabal, ils vont côté rivel bloqué. Ils courent quitter français à la langue espagnole. Ils font avancer avec espagnol. Pour gens français à espagnol, ils viennent créer des ouvertures dans le français à retourner pendant la négocier avec des anglais. La défense des intérêts nationaux. Toussaint Louverture, c'est contre ça, ça veut dire, qui ça intérêt national nous y est, je dis à. Mandons leader politique haïtien, je dis à, bah, trois bagages qui représentent l'intérêt national pays, ou pas qu'on est, et ils sont des leaders politiques. Vous voulez me bras là avec vous. Vous voulez me bras là avec vous, ou pas qu'à défendre qui sa intérêt national, peuple haïtien et pays d'Haïti. Vous voulez me bras là avec vous. Troisième principe de doctrine Toussaint Louverture, c'est le jeu des alliances. Ils diront qui est pour faire jouer d'alliance, qui est pour la joindre pour défendre l'intérêt national là. Le jeu des alliances. Ça veut dire qu'au départ, Toussaint Louverture définit les trois grands principes de la doctrine diplomatique d'Haïti. Un, la promotion de la liberté et la défense de la dignité humaine à travers le monde. Deux, la défense de nos intérêts nationaux. Trois, le jeu des alliances. Donc chaque alliance qui est l'entrée, l'utile dans défendre l'intérêt national pays, qui est la libération générale des esclaves. Oui, je dis à l'aide. Pour m'abdaïmoué, des nénèles, Cartier, de Michel, des filets, Louis d'Or, des Youri, des Ceci, mais je vais définir l'intérêt national. Et puis, je dis c'est leader politique. Lorsque vous êtes un leader politique en Haïti, vous devez être à l'image de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines. Il dit que de vous, son leader politique Haïti, quelle que soit l'idéologie en Corée, faut joindre l'image de ça, Toussaint Louverture à Dessalines. Même si Américain. Américains tout fait parler de George Washington, la parole de Hamilton, la parole de nègres de l'indépendance. Nous-mêmes, on leader politique haïtien, faut regarder en Dessalines, Toussaint Louverture, Cabral Lamour, etc. Qui est-ce là-dedans pour ces images de lui-même? C'est même Jean-Louis dans l'église, vous êtes à l'image de Dieu. Lorsqu'on est haïtien ou potez non haïtien, vous devez être à l'image de l'ouverture, Cabral Lamour, Toussaint Louverture, la prière, Jean-Jacques Dessalines. Comme on leader aujourd'hui à l'image de Nexaï. Mais on va jamais dire rien. On sait de gros dossiers qui parlent dans le monde, dans le monde, il n'y a pas de rien sur le monde.
Une série d'opportunités qui offrent pour nous, prendre le leadership. Je dis à l'image du monde, c'est des questions de politique internationale. Dans le Covid, le coronavirus, son leader mondial nous y est pour ça nous réaliser. Mais il y a besoin de diminuer ça ici. Un groupe de nègres depuis 34 ans, ils ont fait nous comprendre nous pas capables. Alors que la doctrine de Toussaint Louverture, c'est yes, we can. Obama tellement intelligent, la volée doctrine Toussaint Louverture. En d'après, qui côté Obama joint là, fait yes, we can. Là. Oui, nous capables là. Pour qui côté le venez pas dans Toussaint Louverture des Alibes, Obama le volé. Comme si c'est pour Haïtien Balil, Patrick Jasper. Comme Haïtien Balil, Obama a fait yes, we can. Là, hein? Patrick Jasper, le directeur politique, monsieur, qui était dans Maison Blanche. Obama tellement intelligent, il vole la doctrine Toussaint Louverture Jean-Jacques Dessalines. Non. Monsieur Dou, yes, we can. Non, mais qui est-ce qu'il prend? Toussaint Louverture Dessalines, il te dit oui, nous capables. Pour un apropos, Haïti pas capable. Hein? Nous toujours ça, nous toujours l'aide, nous toujours parler de négatif. Bon, nous va être positif, c'est négatif. Ouais, je dis à nous, ça, que nous y est là, en 2021. Là, dans mi-temps 2021, qui nous commence à entrer, il faut que y ait des gens qui commencent à émerger. Oui, nous capables, à l'image de Dessalines et de Toussaint Louverture. Oui, nous capables, à l'image de Christophe Cabral-Lamour. Que c'est des nègres, tout bagaille comme si, à dénigrer le mot haïtien, à dénigrer le mot haïti, à sale le mot haïtien, à sale le mot haïtien. Il faut nous suspendre dans le bagaille ça. Et nous avons toute une génération de petits jeunes qui ont plein que vous créez. Tout ça l'ouverture pas dans plein. Moi, vous pas que petit jeune là qui a émergé, qui n'a politique, mais il y a plein. Tout ça l'ouverture pas dans plein. On pense que si vous êtes dans plein, vous n'êtes pas dans l'esclave toujours. Je vous dis, vous êtes jeune, agissez à l'image de Toussaint Louverture. Problème, il y a tout faut exister. Il faut chercher des solutions. Toussaint Louverture pas plein sous problème. Il participe dans la solution à problème. Je vous dis, esclavage là. C'est pour un bail qui t'a mis si vous voulez. Vous mettez pour le craser ce travail-là. Ou même qui sont proposés pour l'avancement de notre pays au 21e siècle. On pense comme jeune, il va le faire cadeau là. Moi, je ne parle pas avec vous là. Pas de personne qui fait aucun cadeau. Même. Papa, maman, maman, bon, green bagaille, vous aimez l'école. Pas de personne qui fait un cadeau. J'ai 18 ans de professeur à l'école, je ne fais pas un cadeau. J'ai 18 ans de professeur karaté. Je dis, je tout son chèque. Non, collège Saint-François d'Assise comme professeur sciences sociales, je tout son chèque. Dans le lycée Toussaint Louverture comme professeur sciences sociales. Je suis un troisième chef comme professeur karaté. Je suis plein, je suis marché dans le ministère ou bien je suis des chefs pour mon chèque. Je travaille pour ça. Ou même qui soit fait là, à l'image de l'ouverture, qui soit fait pour changer la boue. Est-ce qu'on étudie? Est-ce qu'on travaille? Je suis touché trois chèques. Je suis acheté belle montre, belle rade. Non? Trois chèques, je suis touché. M'acheter bagaille pour me revendre pour me faire comme. Je suis 1740 grades dans la classe moyenne. Tout le monde dans la classe a doué. En même temps, tout dans la nouvelle constitution. Dans deux semaines qui se passent là, moi, j'ai fait des gros menaces, violences, et si j'ai un référendum, j'ai une violence, etc. Ça montre encore que je n'ai pas quoi dans la démocratie et il montre clairement qu'il y a fait bulletin de vote. Si au monde, ou contre la constitution, c'est droit qu'on gagne pour contre lui, à voter non, faire campagne pour le non, pour que la majorité de voter non. Mais si vous-même vous voulez changer le système non, ou aimer une nouvelle constitution, faire campagne pour le oui, à voter oui. Mais question que vous avez fait menace violence, parce que vous sentez que vous faites des batailles là déjà. Mais vous passez un an et demi là, pendant vous-même, vous avez dit pendant 4 ans, que la constitution a changé, dans le référendum, vous avez changé. Et puis vous avez dit, vous avez passé un an à faire campagne contre la constitution, il n'a pas marché, il y a tout le monde d'accord. Pour que le système n'a changé. Et bien, pour ça, il fait menace. Je ne lance pas la dedans fait. Moi-même, ou même qui l'a capturé, pour rien, mais constitution, ou le système n'a changé. Pas bon quoi, je vais le voter, oui. Ou même tout sous pas d'accord, ok? Ou du pas, ou t'as aimé le système n'a été gens liés. Il n'y a pas de problème pour faire campagne pour voter, non. C'est dans la démocratie que nous y est. Pour y a les votes qui ont fini compter, je vais regarder qui quantité de monde qui dit oui, ou voulez changer le système, ou voulez nouveau constitution. Et qui quantité de monde qui vote non, qui dit non, ou voulez le système n'a été même gens. Chaque gain plus vote, c'est lui qui a passé. C'est comme ça, démocratie. Est-ce qu'on connaît ou même capitaine de la Jodia? Pays côté mié là, Jodia, qui c'est les États-Unis. Vous comprenez ça, américain, c'est anglais le parler, c'est pas allemand le parler, son vote oui. On green vote oui qui fait que les États-Unis c'est anglais ou d'allemand qui le parle. Peut-être un vote oui. À mon tour, importance, vote dans la démocratie. Ouais, vote là, c'est plus gros pouvoir qui gagne dans la démocratie. Bulletin de vote. Pays m'dou là, côté nous y est là, Jodia. Côté gros paquet haïtien qui vivent là-dedans. Haïtien ça allemand, vous avez parlé aujourd'hui. Vous voulez parler anglais au lieu d'allemand, on green vote, hein, qui fait parler anglais. On green vote. Protecteur du citoyen, monsieur le ministre, les assistants en général,
Je remercie profondément au nom du comité. Je remercie le protecteur du citoyen pour ce travail colossal qu'il a préparé pour le comité. Nos remerciements vont également à l'équipe du protecteur des citoyens. Et je vous promets, monsieur le protecteur du citoyen, que nous allons étudier, nous allons examiner minutieusement vos suggestions. Et si elles sont conformes à notre mission, nous allons les adopter. Mais s'il y en a qui ne sont pas conformes à notre mission, car nous avons un mandat bien précis, nous serons obligés de les rejeter. Donc je vous remercie encore, monsieur le protecteur du citoyen, pour ce travail que vous avez préparé pour nous. Pour nous, Alboze candidat, nous, comme Kazek, Azek, délégué ville, nous obligés à 25 ans. Mais pour qui ça pour nous voter, nous-mêmes qui prenons le pouvoir, ils n'ont pas demandé nous plus que 18 ans. Nous pensons que même droit nous gagner pour nous voter à 18 ans, c'est même droit ça de ban nous pour nous poser candidat nous tout à 18 ans. Nous gagnons un paquet de cadres, nous gagnons un paquet de jeunes. Nous avons un paquet de monde dans le pays, contrairement ensemble avec ça, tout le monde a pensé, contrairement ensemble avec ça qui a passé dans le pays, et contrairement ensemble avec ça que malheureusement qui a circulé sur les réseaux. Nous avons deux monde qui ont valeur et qui sont capables. Ils ont servi d'autres pays et ils me pensaient qu'ils n'ont pas capable de servir. Avant même de servir l'autre pays, de servir la caille. C'est dans ce sens ça, je ne pense pas, dans le cadre article 162, nous avons demandé CCIA pour le frontier à jour. Valoriser les valeurs, permettre que les jeunes n'ont qu'à rêver, pour que les jeunes n'ont pas pensé qu'ils pourraient intégrer un poste d'État, qu'ils pourraient posséder un titre, sans avoir que lui-même n'ait pas fait un sacrifice. Chita souvent l'école, pour chita dans l'université, pour l'apprendre, pour construire. Oui, c'est Daniel Victor Gérard qui remet officiellement le document au président Boniface Alexandre. Nous comprenons bien. Merci. Merci de vous rasseoir. Merci, réellement la participer dans la vie politique du pays. Et comme on a pu remarquer dans le projet, l'avant-projet que nous avons préparé, nous n'avons pas oublié la jeunesse haïtienne. Parce que nous, bon, ça nous fait mettre inséré dans l'avant-projet, pas qu'à aucun moment, je t'ai pensé pour dire, un jeune doit candidat à n'importe poste électif, sauf président de la République, à 25 ans. C'est la première fois que nous faisons ça. Et pour qui ça nous fait, si je ne voulais comprendre, la comprendre. À 25 ans, nous supposons que je ne jeune, il faut faire études. Il n'y a pas besoin devant porte-barrière monde pour demander des jobs. Puisque je ne 52%. Si on entend entre tout passe député à nommé. Mais si on pas entend nous-mêmes comité à nous pas responsables. Le garçon a fait politique tête en bas. Il a qu'un pays en otage depuis 34 ans. Il n'a pas de résultat. Il n'a jamais pointé du doigt. Mais quand son femme avec compétence, l'intégrité, l'honnêteté, qui veut faire l'équilibre, qui veut mettre au service de société, hein, au service de nation, hein, eh bien, le ça lui-même, c'est lui-même qui est au devant de la scène et dans le mauvais sens. Donc, comme moi, c'est un monde qui pétrit
qui comprennent ça, parce que je fais sciences humaines, je fais droit, je fais ethnologie. Donc ça veut dire pays ça et pays pas, ni je comprends ni, je ne agis pas mimétisme tout. Et je ne transcende. C'est transcendance qui fait nous continuer, travailler, nous continuer, rencontrer toutes messieurs, dames qui sont dans le secteur jeune, pour permettre que nous capables de gagner plus d'implication que possible. Ouais, c'est le moment plus important, le moment plus possible pour moi-même. Pour me répondre, certains mondes qui ont critiqué nous-mêmes, comité ça. Ils disent nous, c'est Tissoussou qui a fait constitution pour président Jovenel. Moi, je dis non. Ça que mettez nous là, son élan patriotique, nous pas d'accord, j'en pays à marcher. C'est ça que mettez nous là. Nous n'avons pas fait constitution pour aucun président. Si nous avons fait constitution pour aucun président, nous n'avons pas soumettre les gens pour critiquer, pour dire ça, pour penser. Nous avons fait secrètement, et puis nous avons envoyé le président. C'est vrai, nous avons fait constitution paraître. Nous n'avons pas rien. Or, nous-mêmes, avant de commencer à travailler ça, nous consulter tout le monde, nous opinion, tout ce que nous avons écrit avant le projet, ce n'est pas nous. Tous ces peuples-là, et c'est pour le peuple qui travaille. Ce n'est pas pour le président qui travaille. Moi-même, peut-être les hommes politiques qui ne connaissent pas, même monsieur Giris, je connais. Je manque un an pour me faire 60 ans dans la profession d'avocat. Je passe tout côté déjà. Pas qu'on l'école de droit, pas qu'on faculté de droit, je ne pas faire cours là-dedans. Je viens suspendre faire cours, je viens président de la République. Personne n'a pas monté ma loi, loi haïtienne. Que ce soit loi constitutionnelle, quelle que soit loi, je travaille sur tout déjà. Parce que l'autre président cour de cassation, tout gros dossier, c'est où président cour pour traiter. L'autorité dit c'est que les gens qui ont préparé le projet de constitution, ce sont des novices, des gens qui... Non, je n'aime pas ça. Je suis un droit haïtien. Je n'ai pas besoin de constitutionnaliste. Naturellement, spécialité, je n'ai pas constitutionnaliste, je n'ai pas dit. Même traité constitution, ça, jusqu'à ce que je ne pas qu'on encore, parce que tout conflit qui vient dans le cours de cassation, que je passe 15 ans là-dedans, tout conflit constitutionnel, tout c'est moins traité. Donc, ou pas arrêter Kounye, si vous n'avez pas rien pour dire de moi, pas dans le traité, fermez bouche. Mais l'on dit moi ça. Hein? Il y a un monde qui t'a fait cours, l'école de droit, Port-au-Prince, l'école magistrature. Je me suis 30 ans depuis que je suis fait professeur. Et puis pour ces Kounye pour me faire travailler pour un président. Non, ça me compte lui et me compte lui pour tout le monde qui a équipe qui a fait maintenant. Nous tous les cinq, nous qui travaillons sur la Constitution, c'est pour le pays qui travaille. D'ailleurs, moi, je n'ai pas besoin de job encore. Je passe tout gros job, je passe déjà. Pour qui ça pour me travailler encore? Président cour de cassation, peut-être ici, il n'y a pas prendre pour rien. Mais l'autre pays, ils sont gros bagailles, oui. Et même tes présidents cour de cassation. Président de la République, son gros bagage, bon ça déjà. Et pas besoin de ça. Tout le monde te constate, les besoin de sortir, je ne suis pas capable encore. M'oblige à le dire, président Préval, m'a mettre clé à dehors en dehors. Tellement pas de besoin. Bon, pour qui ça pour me faire travail pour un président, pour me faire des jobs. Je n'ai pas besoin de job encore. Peuple haïtien, je n'ai pas besoin de travail l'État encore. Ce pays a ma grande service. Et tous les quatre membres qui sont avec moi, nous tous les cinq, tous les quatre, ce pays a ma grande service. Pas pour mettre tout nous, pour les cailles nous, ça nous fait son service dans le grand pays. Donc tant pis s'il vous plaît, pas que nous n'avons pas besoin de personne. Ça c'est une. Deuxièmement, je remercie le protecteur. Au concours Libanon depuis au commencement de travail là pour jusqu'à présent. Moi,
Comme je remercie également le ministre du sport, de la jeunesse et du sport, pour le concours Liban. Nous tendons tout son yo. Mais son seul petit bagage qui mettait nous jusqu'à présent, qui mettait nous jusqu'à présent, moi avec un protecteur citoyen, c'était un petit travail, une petite question de venir avec la peine de mort ou bien quitter. Donc ça, je soumets la question ça à tout le peuple haïtien. Tout le monde qui veut pour ou contre, fait comité à quoi. La douane a une pile importance dans le GPAM comme chef de l'État pays. Institution ça, c'est une institution qui permet à l'État de rentrer l'argent pour le répondre à l'obligation. C'est une institution que tout le monde qui n'est pas honnête, qui n'a pas payer l'État, qui n'a contrebande, qui n'a tout vieux trafic, ZAM, trafic munitions, trafic drogue et l'atelier, vous voulez contrôler. Alors, autant de vous mettre en directeur douane ou président, c'est moi pour dire. Exemple directeur Sakida là. Monsieur qu'on est directeur, c'est après arrêter une journée. Monsieur pas de compte ça avant. Pourquoi nous comprendre qui difficulté on moun gagne lors d'un job moins la donne pour qu'il y ait autonomie et indépendance. Qui donc, pour nous-mêmes qui avons contrôlé l'État aujourd'hui, il faut nous réger nous, bien grand, pour nous veiller sa capacité dans la frontière, dans le port et dans l'aéroport nous. D'ailleurs, nous sommes tendés, représentant la Banque mondiale, là. Il parlait de 7% recette douanière par rapport à PIB nous, qui est environ 10 milliards de dollars. Ça le dit, recette douanière, si nous comprenons bien, il y a en pile. Constat nous fait dans la douane, nous avons grave en pile, ni sous plan économique, ni sous plan stabilité politique pays. Sous plan économique, dans le chiffre qui vient là, la douane perdit plus de 500 millions de dollars américains chaque année comme recette fiscale. Côte comme ça va aller. Dans la poche gros autobus, ici tu. Mais pas oublier, je dis nous ça, ce sont celles autobriques de rien dans le pays, c'est l'État. Ça veut dire la douane, c'est celles autobriques, si vous avez rien, qui l'a pour toucher l'argent de l'État. Dans le monde qui décide de faire business, monde qui décide d'acheter dans le pays étranger pour venir revendre, monde qui décide d'exporter bien, c'est celles autobus qui gagnent pour l'argent. Ça va dans la poche, c'est la douane. Là, regardez les chiffres, si nous avons un calcul. Dans 4 ans, qui avons passé maintenant, ça a fait 2 milliards de dollars. Nous avons parlé de dollars faits. Nous avons combien l'hôpital, centre de santé, combien salle de classe, combien centrale électrique, combien réseau électrique, route, barrage d'irrigation, gros pépinière, je vais parler de 100e oblation, système d'irrigation qui marche avec le soleil, caille pour les gens qui sont faibles, combien aéroport propre, l'école professionnelle à campus universitaire, nous avons construit pour le peuple. Nous allons perdre comme ça.
Mais le gros problème qui gagne, c'est l'État prend mesure pour bloquer des autres, ça. Mettre l'autre dans la douane. Ces douaniers ont boulé. Ces douaniers ont assassiné. Ces douaniers ont menacé. Ces douaniers, ils sont pour fusiller. Ces routes qui bloquent, ces grèves qui font. Parce que il y a un pile de monde qui a fait gros l'argent. Un pile d'argent. Là, il y a des autres dans la douane. Son j'aime te dire, nous, on l'a. Problème mieux, ce n'est pas tout le monde qui a résolu. Même commencer à résoudre en pile dans eux. Quand pile qui fait mon mal, même à dire nous ça, je dis, fuck, c'est ça nous fait. Si nous voulons quitter un pays meilleur, pour tout le monde qui a venu, pour petit monde, avec petit monde, fuck, il y a une grosse réforme qui fait dans les affaires d'électricité dans le pays. Fuck, il y a une grosse réforme qui fait dans les affaires route. Il faut qu'il y ait une grosse réforme qui fait dans les affaires, Jean l'État a dépensé l'argent pour acheter gaz dans le pays. Mais il faut que la réforme fait tout dans les affaires, la douane, la DG. Ça veut dire nous, après 4 années, la réforme n'est pas beaucoup fin fait. Ça veut dire qu'il faut nous continuer la bataille. Pour que les réformes continuent à faire. Nous tous contentons, nous qu'on voit qui quantité d'âmes et munitions qui peuvent rentrer dans le nous. Zames et munitions, c'est eux qui s'y mettent troubles et deuils dans la famille. C'est eux qui s'y mettent troubles et deuils dans toute société. Haïti n'a pas produit ni âmes ni munitions. Bagay sa yo soti, l'autre bord de l'eau. Et yo passe dans le port, yo passe dans l'aéroport, ak nan frontière nou yo, pour rentrer dans le pays. C'est responsabilité pas nous dans l'État pour nous travailler avec tout douanier, pour nous prendre bon jamais pour freiner contrebande, empêcher les armes, munitions et drogues qui sont dans le pays. C'est wad nous, comme l'État. Pays a sauté qu'on ait 3 catastrophes majeures. Nous voulons parler de pays loc, coronavirus et kidnapping. Coronavirus là, c'est une maladie qui vient, t'as couru on va pas tout d'un coup. L'hypothèse en pile chrétien vivant aller dans pays sur charbon dans les mois d'ici. Nous même en Haïti, nous t'es obligé de prendre gros décision pour fermer pays pour un bon bout de temps. Nous connaissons qui ça s'est fait sur l'économie pays. Gros dégâts. Un pile problème. Mais, dès l'autre catastrophe, je voulais parler de pays lock à kidnapping, c'est nous-mêmes qui provoquons la catastrophe. Moi, j'ai une pensée spéciale pour tout le monde, tout le groupe dans la société qui est victime des actes malhonnêtes. Dernier week-end, c'était terrible en pile. L'église frappée. En pile monde, l'autre groupe dans la société a frappé. Pas fléau ça. Mais nous, pas baisser les bras. Je voulais rappeler tout frère Maxime qui décide de faire politique dans le pays. Que nous tous. Nous tous, à la honte de qu'est-ce qui est dans l'opposition? Qu'est-ce qui est dans le pouvoir? Nous, mon seul maître, peuple là, peuple haïtien. Et je dis, nous, côté mieux là, je suis mieux placé. Pour me dire, nous, que bagaille arrive dans le calfou, moi-même, en tant que premier citoyen pays, là, nous pour nous fuck, nous quitter ça qui divise nous derrière pour nous concentrer nous sur ça qui doit unir nous.
parce que ça qui divise nous depuis longtemps, gardez qui boy mène nous. Gardez côté nous aujourd'hui. Kidnapping, c'est un gros fléau. Puis, bonne manière pour nous finir avec le problème, ça. C'est mettre tête nous ensemble pour nous gommer contre lui. C'est pas. Tous ces poignettes. Pété bataille, yon a clôt. Moi, conscient que l'État doit faire plus d'efforts dans la bataille contre la catastrophe, kidnapping et crime organisé dans le pays. C'est pour ça que toujours par l'autorité qui l'a pour ça, instruction claire pour mettre plus de vigilance et intelligence dans le combat à mener contre le fléau. Peuple haïtien, famille que catastrophe ça a frappé, maintenant des cris nous, maintenant des rêves nous, maintenant des voix nous. Moi, je n'ai rien dormi dans les yeux. Même j'en me songeais. 2 heures du matin, je n'ai pas parlé avec quelqu'un qui est proche. Moun. Je suis kidnappé hier. Je fais tout ça la loi que je dois faire pour que bon j'en solution qu'à jouer pour résoudre le problème. Ça. Mais l'autre fois encore. Je profite de moment ça pour me parler avec les protagonistes de la crise politique, sociale et économique qui a bouleversé le pays. Division ça qui installe col dans le nous. Depuis nous prenons décision, nous avons tout déjà en 1806. Pour arriver à 10 jours aujourd'hui, division ça n'est pas un hasard. Pas quitter personne qui dit nous sommes hasard. Division ça, c'est une stratégie que yon petit groupe moun créé. Et petit groupe moun sa yo. Malheureusement, parfois m'tande moun a accusé pays, petit groupe moun sa yo dans pays. Et yon toujours là. Yon créé stratégie ça, son jan. Pour yon toujours gagner l'État en bas griffe yon. Ça veut dire. Puis bon manière pour bas marcher. C'est de soulever le peuple là tout le temps contre moun kap dirige yon. Pour créer une instabilité pour politique permanente. Pour même je dis, kap gade m'la, la chambre est claire. Maintenant, de toute qualité de parole, même à dire nous, crise ça, nous avons vu aujourd'hui, nous avons fait le tourner une grosse opportunité pour nous étonner le monde. Nous avons étonné le monde entier. Même si nous avons fait ça, dans la bataille vertière, 18 novembre 1803. Pour nous convertir crise ça en opportunité, les mondes en pile sagesse. En pile courage, en pile dépassement de soi, en pile détermination. Je dis à ce moins qu'il a, côté mien, ça lui dit dans notre pays. Demain, c'est va ou même. Mais fouem, chem, nous mettons quoi. Nous-mêmes qui dans la politique là, ça n'a pas changé pour nous. Les nous pour venir côté moi là je dis. Si nous pas mettre tête ensemble je dis même pita à pitris. Il y a toujours mettre roche dans mon. Il y a toujours mettre roche dans même pour nous yon nous même contre l'autre. Et puis yo même yo toujours été côté yo hier. Pas monter, si mal pas descendre. Bon Dieu, frère, je dis, je suis arrivé sous pouvoir après 4 ans, 2 mois et quelques jours,
gen bagay mwen. Ouais, nous songe les peuples là. Levé 6-7 juillet 2018. Je dis mon président, faut parler. Et faut me dire nous ça pas de parler. Parce que si me te parler, me te renoncer pas de monter la jodia. Là pour me te parler, me te commencer parler. 15 octobre 2019 là, c'était le samedi pour commencer parler. Parce que faut me dire nous bagay yo grave en pile. Système ça qui vient là pas quitter ou même qui est projet fait politique. Les papes jamais qui doit diriger le pays. Les papes qui doit diriger le débourrer dans tête ou ouvrez pour peuple ça allons souffre. Souvini a fait peuple pas intéressé. Ou a fait des mandats, ou a fait 3 mandats, ou a fait ou a président à vie. Mais de pour venir, ou vle peuple ça, vle parler de 5 millions de monde qui vivent dans la crasse dans le pays. Vle parler de 500 000 timoun qui parlent l'école chaque année. Vle parler de 70% jeunes à diplôme dans le pays qui parlent de travail dans le pays. Moun sa yo. Depuis c'est pour yo, ou le vin balé, système sa pap ki to dirige le pays. Même j'en oué, m'jambé di fe, m'jambé de l'eau, m'pété mi. Pendant 42 mois, le pays a pas jamais gen la paix. Parce que, gen de bagay tout m'a pas jamais accepté. C'est pour ça que le pays n'a pas jamais la paix. Si nous vivons ça, moi-même, moi, comme dit nous, frère, monsieur, qui est dans la politique, moi, je crois que je bien placé par ce nous aujourd'hui pour me dire nous, restez une dernière chance. Pas même bien deux. Une seule. Chance pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous ne pas quitter le système, ça, régénérer tête. Parce que la régénérer tête est sous nous là, sans nous pas même rendre compte. Ça qui a passé là, c'est un perpétuel recommencement. Je voulais parler des affaires de kidnapping. Nous songeons dans l'année 2004, comment y a-t-il les kidnappings? Y a-t-il Valentino? Kidnapping, tout le monde joue. Je dis à kidnapping de tous côtés. Parce que pays arrivé dans Calfou, des monde qui était dit son Calfou dangereux, même pas dit son Calfou dangereux, mais dit son Calfou d'opportunité. Pays arrivé dans Calfou, côté gon monde qui dans tête les jodia qui croit que c'est pas persécuter frère seul, c'est pas goumer avec yo, c'est pas créer crise politique dans le pays qui est capable de mener nous sur route changement et développement. Mais quoi moment arrivé pour nous travailler, pour nous joindre une bonne entente entre nous. Je connais une grosse pression qui a baillé. Les gens qui décidaient, je voulais parler de une série de soldats de bonne volonté, qui décidaient de mettre tête ensemble. Pour yon ta joué wall facilitate, médiate dans la crise là, mon al tire la caillou. Yon menace madame yon, petit yon, pour sa pas fait. Mais ma dit nous, monsieur dame, nous vivons dans le kafou côté chaque monde dans le pays a, yon prend courage li. À demain, pour dire sa pas fait avec lui. Parce que le peuple a un seul bagage qui demande nous. Un seul bagage qu'il a besoin. Le peuple haïtien a demandé la paix, je vous dis. Il va demander plus que ça. Il demande la paix. Et seul gens que nous avons la paix qu'il a demandé, c'est dans chita ensemble. C'est dans arriver à résoudre le problème qui gagne. Et qui
plus gros problème qui est aujourd'hui. Le plus gros problème qui est aujourd'hui, c'est l'insécurité. Le plus gros problème qui est aujourd'hui, c'est la vie chère. Et le problème, ça n'a pas qu'à résoudre dans l'instabilité politique. Il n'a qu'à résoudre dans la paix avec sérénité. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.